Bonjour à tous, alors aujourd'hui au troisième salon du livre et du bien-être pour tous, je suis heureuse de vous présenter un auteur, c'est une première, Jean-Louis Boreux. Vous n'arrêtez pas avec les chapeaux et les maillots. Vous êtes qui exactement? Ah ben moi je suis un retraité qui s'amuse. D'accord. Hein, et qui s'amuse entre autres dans les salons du livre. Donc l'écriture, vous aimez partager l'écriture tout en ayant une certaine humour? Oui, j'essaye de faire de l'humour et je fais aussi des photos. Alors, ça fait tout un mélange qui, quelquefois, est réussi. Enfin, d'après ce qu'on m'a dit. D'accord. Vos ouvrages, donc le mystérieux château de la... Londonvillée. Oui, pourquoi ce titre? Ah ben, c'est là, c'est un châtelain que je connais. Alors, je lui ai dit, ça t'intéresserait que je fasse... un livre sur toi et sur ton château. Et elle a dit, oh, je m'en fous, vas-y, alors j'en ai fait un. Où je présente son château, je présente aussi bien l'originalité du château que du châtelain aussi. Très bien. Vous avez aussi un humour à la Coluche, un peu débordant, je dirais. Oui, alors là, c'est dans mon livre... Turlupinade contemporaine, où c'est un mélange à la fois de Coluche, de Jean-Yann, de Pierre Dac, de nombreux humoristes, mélangés avec des essais d'humour de l'auteur et des moments d'humour de ma vie. Par exemple, je faisais de l'humour en envoyant à des futurs mariés où j'étais invité, bien sûr, des conneries. D'accord. Donc l'humour est en vous d'une certaine manière parce que ça vous fait du bien, puis c'est votre nature tout simplement, et vous aimez faire rire autour de vous. Oui, mais j'aime instruire aussi parce que je me suis lancé aussi dans quelques actions historiques. J'ai fait... on peut appeler ça de l'humour aussi, un Jeanne d'Arc qui ferait monter au plafond n'importe quel prof d'histoire, mais bon, qui est connu. J'ai fait les deux versions qui pour l'instant au niveau de Jeanne d'Arc ne sont pas compatibles, et puis j'ai fait sur la langue francique, que je parle un peu parce que tout récemment j'ai adopté aussi la nationalité luxembourgeoise parce que j'ai une grand-mère luxembourgeoise et quand j'étais tout petit je parlais luxembourgeois avec ma mère, maintenant je parle beaucoup moins. Donc là-dessus aussi j'ai vu des franciques dans la région avec qui j'ai enrichi mes bouquins, et puis de l'histoire de Metz, l'histoire de Courcelles-Chaussy. Et puis, j'ai fait un bouquin sur le Luxembourg, et puis aussi sur les animaux sauvages de ma région. D'accord. Donc, je fais des bouquins. Tout récemment, un bouquin sur la vie pour la communion de mon petit-fils, sur sa vie jusqu'à présent. Ce n'est pas un bouquin. C'était un agrégé de photos. D'accord. Donc je fais tout ce qui me passe vous par vous la occupez, tête. Vous vous occupez, vous faites plaisir tout simplement, oui, et vous partagez votre joie. Avec un copain voilà. Qui est informaticien et avec un logiciel américain qui m'arrange parce que je ne fais pas assez d'exemplaires pour contenter un imprimeur. Mais c'est pour le plaisir. Tout pour le plaisir. Oui. Ah ben voilà, comme disait Herbert Léonard, non? Oui, pour le plaisir. Hein. Voilà. Donc, un grand merci. Voilà, maintenant on a le fou rire. Un grand merci de vous avoir à nos côtés dans ce salon, votre bonne humeur surtout. Et à bientôt pour d'autres salons. Ben, ma foi, oui, j'aime bien les salons que j'ai jamais fait. Ben, voilà, et puis après, je reviens quand l'atmosphère est sympathique, comme ici. Ah, ben, c'est formidable. Un grand merci, Jean-Louis.